Alors bonjour à tous, alors on est jeudi et samedi matin, normalement je vais à Aspiron hein, pour découvrir le nouveau circuit. Le club apparemment ils ont fait du super boulot et je voulais amener le Marder thermique, alors lui il est prêt, et le Marder électrique. Ça c'est des voitures qui sont de toutes mes sorties, j'essaie vraiment d'en parler parce que je remarque que ça soit pour le thermique, ça a quand même l'immense qualité. Pour ceux qui veulent vraiment faire du thermique, qui achètent des petits 1/8, enfin des 1/8 à tirette, à lanceur, et je vois qu'ils galèrent, qu'ils dépensent quand même pas mal d'argent et qu'ils peuvent se décourager. Là, l'avantage avec ce type de moteur, c'est qu'on tire dessus, c'est de l'essence normale, il n'y a pas besoin de s'embêter à aller chercher dans des magasins spécialités ou avec les normes. Et il y a beaucoup d'autonomie, il n'y a pas d'usure, donc ça c'est quand même s'il faut bosser sur la voiture par contre, c'est quand même intéressant. Et il y avait la version électrique que j'ai devant moi, et je me posais la question tout à l'heure, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai cette voiture, et je vous jure, je ne l'ai jamais démontée. Au niveau de la transmission, de la triangulation, je n'ai jamais démonté. J'ai fait que l'entretien est encore hyper basique, parce que je voulais faire, comme souvent avec des voitures, des tests un peu endurance. Et j'ai regardé cette voiture, la première fois que j'ai fait une démonstration avec, c'était une Coupe de France, et c'était à Reignac en 2018. Alors je me suis dit, mince, j'ai ça depuis 2018, ça va faire 6 ans bientôt, hein, parce que une Coupe de France, généralement, c'est juillet-août, donc allez, on va dire 5 ans et demi passés, que j'ai cette voiture. Alors j'avoue qu'au début, je ne l'ai pas beaucoup fait tourner, parce que je trouvais ça de boîte assez décevant et je voulais bosser dessus. J'ai mis un peu de temps pendant le confinement, j'ai bien bossé dessus et à ce moment-là, elle fait partie maintenant de mes incontournables. Je la travaille partout cette caisse parce que voilà, je branche, je roule, j'ai rien d'autre à faire, donc ça c'est nickel. Je vous ai fait des vidéos donc sur l'adaptation, ça a été vraiment un gros progrès, des pneus, des nouveaux pneus FG dit compétition à l'arrière, ça vous avez tout sur le site de Cyril de Modélis 34, vous avez ces pièces là. On avait bossé sur la répartition des masses, parce que la répartition des masses, il faut bien avouer que d'origine c'est n'importe quoi. On avait vachement simplifié le câblage, tout ce qui est câblage, enfin, on avait bossé sur la caisse. Par contre, je n'avais pas monté spécialement d'options, sauf les amortisseurs hydrauliques à l'avant et les ressorts. On avait vu que ça n'allait pas, mais bon, ça, j'ai toujours pas travaillé dessus. Les arrières, les miens, ils commencent à être bien bouffés. Il faudrait monter les options, mais ça, voilà, je ne les ai pas encore récupérées. Comme il faut que je les change aussi en partie sur le thermique, il faut que je fasse des choix. Hein, je peux pas, le budget n'est pas extensible, donc ça, on verra par la suite. Par contre, j'étais tout le temps resté avec le combo d'origine. Alors, je connaissais ses qualités, ses défauts. Ses qualités, pour moi, qui roule aussi en TT 1/8, ça, c'est que je pouvais utiliser mes batteries 4S. Au niveau de connectique, j'avais fait en sorte que ça soit la même chose, hein, des P4-5. Donc, j'ai la même connectique et les mêmes batteries que sur mes NXT, par exemple. Sauf que j'ai pas beaucoup de batteries de ce type. Hein. Pareil, c'est toujours hein, une histoire de moyens. Je m'étais dit, comme j'ai des batteries bâche, comme ils disent maintenant, avec des prises XT 90, je voudrais passer là-dessus pour pouvoir en mettre deux si je passais par exemple en 6S ou 8S. Sauf que le contrôleur d'origine, il n'accepte pas. Et moi, je voulais vraiment, pendant toutes ces années, rouler avec l'électronique d'origine parce que je me dis, c'est quand même ridicule d'acheter des voitures quand même qui sont assez chères. Et d'entrée, de changer l'électronique, surtout quand on voit le prix des électroniques pour ce type de voiture, hein, ça peut monter très très haut. Et je voulais donc faire quelque chose de raisonnable. Alors donc, ça faisait un moment que j'avais commandé à Cyril, mais ils n'étaient pas toujours disponibles, les Max 6, alors il existe Max 4. Alors ça, je vous ai fait une vidéo, hein, je vous ai publié juste avant, où je vous le présente. Alors le Max 4, il est à des tarifs stratosphériques. Celui-là, c'est un peu plus raisonnable, c'est quand même moitié moins cher, je crois, quand même, voire un peu plus. Et il devrait aller parfaitement parce qu'il accepte jusqu'à 8S. Donc, moi, 8S là-dessus, j'ai un doute. Alors, je sais qu'il y en a qui ont fait la modif, mais si c'est juste pour faire des runs en ligne droite, moi, ce que je veux, c'est que la voiture reste pilotable, qu'on puisse rouler sur un circuit, sur la glisse,
Voilà, que la voiture tienne, faire des tête à queue sans arrêt ou prendre des pelles, ça m'intéresse pas trop. Donc on va commencer, je voudrais faire le montage donc avec ce contrôleur, avoir deux bacs à batterie pour équilibrer, ça c'est vraiment important parce que toutes les masses, on va le revoir, elles sont du côté gauche, du côté droit il n'y avait rien. Alors pour l'instant j'avais mis une batterie mais ça équilibrait pas assez, donc je voudrais tout placer côté droit pour compenser. Et pouvoir passer facilement de éventuellement 6S à 8S. La difficulté, c'est que le rapport de démultiplication là-dessus, c'est compliqué à changer. Pour l'instant, on est plus ou moins obligé de rester sur le rapport d'origine. Alors, il y a des possibilités, mais c'est pas bien clair. Ça, faut que je cherche un peu. C'est vrai que FG, hein, T2M, il faudrait qu'ils bossent là-dessus, sur voilà, mettre toutes les références, si on veut changer le rapport, quel pignon qu'il faut mettre, tout ça. Là, c'est absolument pas clair. Et en plus, il y a des références qui se font plus. Enfin, voilà, c'est un vrai pataquès. Donc, ça, je verrai ça après. Mais en restant avec le rapport d'origine, en 4S, ça avait tendance quand même à chauffer. Pour ça que je faisais des runs. Moi, ça me convenait au niveau puissance, hein, même si c'était moindre que le thermique. Surtout que c'est une voiture que je prêtais beaucoup. Donc, des fois, je passais ça à des débutants. Alors, le fait que ça soit pas une fusée, c'était très bien. Mais dernièrement, la voiture, je l'ai. Moi, j'avoue que quand je roulais, je faisais des runs. Quand je faisais 5 minutes, après, j'arrêtais. Et là, je l'ai prêté, la voiture. Et ben, ils ont été jusqu'au bout des batteries. Moi, je faisais autre chose, j'ai pas fait gaffe. Et en fin de compte, quand on va au bout des batteries, ben, les batteries, ça les faisait pas mal chauffer. Notamment au niveau des prises intégrées de 5 mm. Hein. PK, donc j'ai une batterie qui s'est un peu abîmée comme ça. Alors je dis, voilà, là ça a dû chauffer grave quand même. Allez, on va quand même essayer de monter en voilà pour la chauffe hein, essentiellement. Alors ça a donné un plus de puissance, c'est sûr, mais donc on va essayer en 6S et après on fera un petit test en 8S, même si je pense que ça sera trop. Donc c'est l'objet de cette vidéo. On va faire donc l'adaptation de ce nouveau contrôleur, le montage de ces batteries. Et si j'ai le temps, on changera les amortisseurs à l'arrière. Mais ça m'étonnerait parce que là, c'est déjà quand même pas mal de boulot. Surtout qu'il y a des petits détails à revoir. Cette voiture, je fais tellement peu d'entretien dessus que c'est que la carrosserie devant, elle est pétée quasiment depuis le début, donc depuis 5 ans, et je n'ai jamais réparé. Honte à moi, ça aussi, il faut vraiment que je bosse sur la carro, mais ça ne sera pas là. J'ai trop de choses à faire. Allez, déjà, je vous montre l'installation pour vous faire un rappel. Si jamais vous achetez un mardeur électrique, hein, je vous rappelle, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Hein. Mais je vais vous faire un rappel succinct sur le montage d'origine, pourquoi il faut le modifier et ce qu'on peut faire encore pour améliorer. Là, je parle essentiellement de tenue de route et de répartition des masses. Allez, j'ai mis le bolide devant moi. On va donc le regarder. Hein. Je vais vous faire un petit résumé des choses à faire. Et déjà faite. Alors déjà, je vais commencer par des remerciements. Parce que en 2018, quand j'ai eu cette voiture, c'est grâce à Philippe Capelli, hein, FG, sur le forum, qui nous aide aussi beaucoup pour la page Facebook. Et Philippe Capelli, bon, il est pote avec T2M, il a longtemps piloté pour eux, il a fait beaucoup de courses pour eux. Il écrivait dans les revues, hein, à l'époque, Benny, où il y avait encore Auto 8, Auto RCM, RC Racing Car, enfin toutes ces revues-là. Et il nous avait eu cette voiture qui servait, c'était une voiture de démo, en fin de compte, hein, elle n'était pas neuve, hein, enfin elle avait très peu roulé. Et le but c'était de faire de la démonstration, de tester tout ça. Sauf que peu de temps après, il y a eu cette histoire de confinement. Et c'est vrai que les premiers essais qu'on avait faits, hein, je ne cache pas, ils avaient été quand même assez décevants. Deux boîtes, c'est pour ça que je précise tout le temps. Le Mardeur en version brushless, faut bosser dessus. Mais c'est pas du boulot qui va coûter de l'argent spécialement, c'est plus du boulot de technique, c'est-à-dire de répartition des masses. Ça, c'est vraiment important. Et surtout, les pneus qu'ils fournissent avec, hein, alors j'avais fait remonter l'information, mais j'avais jamais eu de retour, ils sont pas adaptés. Les pneus d'origine, c'est les quatre mêmes. C'est ceux-là, en fin de compte. Hein. Ça, c'est les pneus de la version brushless. Les quatre à l'avant, à l'arrière. Ceux qu'il y a sur la version thermique, bizarrement, ce n'est pas les mêmes. Hein. C'est des pneus avec des gros picots, enfin plus tétés, et qui sont plus efficaces. Alors, bizarrement, souvent, hein, quand je roulais en pneus d'époque, hein, donc ça veut dire avec les pneus qui sont livrés avec, je faisais un mix, j'utilisais
les pneus de la version électrique à l'avant et à l'arrière, ceux de la version thermique. D'ailleurs, tiens, quand je parle de thermique, j'espère que j'ai pas dit nitro, parce que des fois, ça m'arrive de fourcher en parlant du Marder version thermique. Alors, la première modif que j'avais fait, enfin une des premières, c'était l'histoire de l'aileron. C'est un propulsion. Donc en propulsion, faut pas mal, faut avoir un maximum d'appui à l'arrière, autrement vous allez faire des têtes à queue assez facilement. Et l'aileron d'origine, il est un peu petit. Et surtout, quand on le monte sur son support, il bouge beaucoup. Donc ça veut dire qu'il est assez peu efficace. Alors déjà, je l'avais remplacé par un aileron que j'avais trouvé chez Cyril, hein. D'ailleurs, quand je fais les remerciements, hein, je remercie bien sûr T2M qui à l'époque, par qui j'avais eu la voiture. Même si après, j'aurais cru que ça aurait pu être le début d'une collaboration. Parce qu'il y a, eux, ils ont plein de trucs sympas qu'on présente régulièrement. Mais bon, ça n'a pas été le cas. J'espère, on ne sait jamais un jour. Mais surtout... par Modélisme 34 hein, qui fait les pièces Marder et qui avait cet aileron de Léopard. Léopard, c'est la voiture qu'il y a eu après le Marder et qui est beaucoup plus balèze, beaucoup plus moderne. C'est vraiment, je vous le conseille. Là, on a beaucoup plus d'appui et je vous avais proposé hein, cette modif que j'avais fait, c'est avec des passe-fils qui permettaient d'avoir un meilleur appui de l'aileron parce qu'autrement, il y avait un jeu énorme. Tandis que là, ben, ça supprime le jeu. Ça, je vous conseille vraiment de le faire. Alors, ce que je vais faire là tout de suite, c'est retirer la carrosserie. À savoir, les carrosseries, elles ne sont pas données. Ça, c'est la déco du Mardor. Donc, vous voyez, elle a quand même 6 ans bientôt. Et quand je l'avais pété ici, c'était quasiment d'entrée. Donc, ça, faut absolument qu'un jour, quand même, je la répare. Et là, il faut absolument que je renforce les fixations. Hein. Il suffit de doubler l'Lexan à ce niveau-là. Malheureusement, ben voilà, ça fait pas. C'est les voitures qui posent pas spécialement de problème. On roule, on roule, on roule. J'ai pas le temps et le risque c'est que ça se dégrade, que ça se casse encore plus. Donc ça, faut vraiment hein, qu'un jour je me lance là-dedans. Allez, je retire la carreau. Allez, j'ai retiré la carrosserie. Alors on va revenir hein, sur les roues. Hein. Vraiment ces roues-là, ces pneus-là. Hein, ça, je vous ai déjà fait des vidéos. J'ai testé, j'en ai fait commander à Cyril, hein, avec les bonnes jantes, les bonnes gommes. Ça, vraiment, je vous le conseille. Et il a aussi les adaptateurs hein, qui vont bien. Tout ça, vous le trouvez sur le site à Cyril, hein, sur la page, sa page FG. Ça, c'est vraiment quelque chose de top. Au niveau du train avant, j'avais rien fait. J'avais juste des amortisseurs alu en rab. Donc, je les avais mis à l'avant. Et c'est vrai que j'avais des arrières et je les ai mis à l'arrière du thermique. J'ai fait un mix, mais ça, par contre, les ressorts, ils sont beaucoup trop durs. Voilà, je suis détendu comme ça. Ça, il faudra vraiment aussi que je cherche parce que ça aussi, chez FG, c'est vraiment compliqué, cette histoire de ressorts. Il y en a d'autres qui sont prévus. Il y a même des amortisseurs, les références. C'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Au niveau de la platine radio, j'avais laissé, c'était une version RTR, j'ai laissé le servo de boîte. C'est vrai qu'il n'est pas hyper rapide. Par exemple, celui que j'ai monté sur la version thermique est beaucoup plus rapide. Mais bon, tant qu'il marche, je le laisse comme ça. Ça, j'avais modifié avec une boîte radio, parce que la boîte d'origine, elle est énorme. Elle date des années 90. Hein. Donc, j'ai mis une boîte que j'ai trouvée pareil chez Cyril. Hein, ça, je vous marquerai la référence dans les commentaires. Que je monte sur plein de voitures. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique, hein, plus compact. Voilà. Au niveau du bloc moteur, si vous regardez bien, vous avez normalement, hein, si vous avez un minimum de logique mécanique, vous allez vite comprendre le bloc moteur. D'ailleurs, c'est une belle pièce, hein, tout alu là. Tout est côté gauche, donc il n'y a rien côté droit et toute la transmission est aussi du côté gauche. Donc il y a une répartition des masses qui est un peu catastrophique d'origine. C'est-à-dire que la voiture, elle tire d'un côté à mort. Hein. Ça, déjà sur un 4x4, c'est pas terrible. Alors sur un 4x2, je vous en parle pas, sur un propulsion. Donc c'est pour ça qu'en plus, eux, ils mettaient les batteries là. Enfin voilà, c'était vraiment n'importe quoi. Donc moi, j'avais changé la répartition. J'avais utilisé. Alors, hop, je vais le tourner. Alors, je vous fais un résumé, hein. Vous avez tout ça bien plus en détail hein, dans des vidéos précédentes. Mais j'avais mis le bac à batterie, pareil, ça c'est un bac que j'ai trouvé chez Modélisme 34, je vous mettrai la référence aussi, qui est pas cher, qui est bien, que je mets sur mes NXT, je mets ça sur plein de voitures. Et l'idée c'était de mettre un peu plus de masse côté droit, mais ça compensait pas assez, hein. Donc j'avais mis la batterie 4S parce que le moteur,
Enfin, surtout le contrôleur, il n'accepte que ça. Et j'avais surtout changé tout le câblage, parce que d'origine, il y a un câblage, c'est incroyable, des fils partout, une masse de fils, c'était pas bon. Et j'avais modifié donc avec des prises PK25. D'ailleurs, ça se voit qu'elles ont chauffé à la couleur, ça faudrait que je les nettoie. Et ça, c'est le contrôleur qui est d'origine qui m'a posé jamais, enfin, aucun problème. Donc ça c'est bien, et pourtant l'interrupteur il est un peu, on voit qu'il n'est pas étanche, mais enfin j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Au niveau du train arrière, j'ai jamais fait le moindre entretien, et on peut voir que tout ce qui est couronne, les pignons, même la couronne de transmission, elle est encore nickel, il n'y a pas de jeu. Donc ça c'est quand même un très bon point, même si là on voit que c'est bien bouffé, le corps extérieur hein, du différentiel. Ça, c'est une pièce qui n'est pas bien chère, éventuellement on la changera un jour. Alors il existe bien sûr une option avec le corps tout alu, mais moi je suis pas voilà, moi je suis pour qu'il y ait les masques, que ce soit le plus léger possible. Plus c'est lourd, plus après la voiture vous aurez, ça va se dégrader au niveau des performances. Et en plus, bon là ça tient très bien, ça a tenu quand même plus de 5 ans. Sans souci. Alors bon, voilà, le plastique c'est très bien. Voilà. Autrement, tout le reste c'est bien sûr aluminium, les gros ventilos ici. Voilà, le reste il n'y a pas de souci particulier. Par contre, tiens, à chaque fois j'oublie de le changer. Ça c'est une pièce, je l'ai toujours signalé parce qu'à l'époque quand je faisais les championnats de France, enfin les 7 trophées dans les années 90 avec cette voiture, il y avait déjà pas le souci, mais la couronne elle dépasse pas mal. Donc il y a ce sabot. C'est vrai que c'est un peu handicapant parce que ça baisse bien sûr la garde au sol et on voit qu'il est crevé. Donc ça, il faudrait le changer, les déchirer, parce qu'à force, on tape dans la couronne. Par contre, le châssis, bon, il est quand même relativement correct, surtout qu'à l'avant, il est bien protégé grâce à mon pare-choc. Ça, faire un pare-choc, ça me paraît indispensable. Autrement, vous allez massacrer votre châssis. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. La voiture, c'est juste pour vous montrer qu'elle a super tenu le coup. Et si vous achetez un Marder, je vous conseille vraiment de regarder. Je pense quand même pas mal connaître la voiture pour avoir roulé des années là-dessus. Donc n'hésitez pas à suivre les conseils, surtout que je ne me suis pas lancé dans des trucs extraordinaires. Hein, le jour où j'aurai vraiment une grosse casse, style on pète le, je sais pas, le diff ou les roulements qui sont vraiment morts, qu'il faut que je démonte tout, là on fera vraiment des modifications un peu plus importantes. Alors là, le but, ça va être déjà de changer le contrôleur. Vous voyez la taille du contrôleur, il est assez balèze. Normalement, ça j'ai pas encore vérifié, mais les prises du moteur, je pense que ça doit être pile poil le bon diamètre. Enfin, du moins, j'espère. On va vérifier ça. Là, à l'époque, j'avais modifié aussi le montage, j'avais mis ça sur une platine souple. Donc ça permet de préserver les contrôleurs, les ventilateurs. Vous voyez, c'était monté sur Silent Block. Ça aussi, je vous l'avais montré. J'avais mis les dimensions, tout ça, dans des vidéos précédentes quand j'avais fait les modifs. Donc, je vais voir s'il y a moyen de garder la même platine, plus pour gagner du temps, hein, je vous l'avoue. Hein. Et après, on va voir s'il y a moyen de mettre deux bacs, l'un côté de l'autre. Je n'en suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y a la place, mais l'idéal, ce serait ça, de pouvoir mettre deux bacs l'un sur l'autre, ou alors est-ce qu'il faudra mettre les deux batteries? Est-ce qu'on peut glisser les deux batteries en mettant des sangles plus grandes? À voir, tout ça, je vais tester. Alors, je vais faire mon petit démontage, je vais faire voilà, mes petites bidouilles, et après, une fois que je l'aurai fait, ou j'aurai décidé ce que je vais faire, je reviens vers vous. Hein. Là, je rappelle, je vais pas me lancer dans des trucs trop compliqués, faire une grosse révision, parce que je suis un peu dans l'urgence. Samedi, la voiture, faut qu'elle tourne. Allez, j'ai démonté les vis qui tiennent l'arceau, parce que ce sera beaucoup plus pratique, non seulement pour les photos, hein, parce que je rappelle, à chaque fois que je fais une vidéo, je fais des photos à côté et je les publie ensuite sur le forum. Et pour bricoler, voilà, hop, l'arceau, donc il y a quatre vis derrière et deux vis devant. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple l'installation. Et là, on voit mieux hein, mon système, la platine souple. Donc tout ça, maintenant, je vais pouvoir le démonter.